Le numérique a fait son entrée dans les écoles primaires publiques. 12 centres multimédia pilotes ouvrent leurs portes à travers le pays. Le modèle est le même partout. Un bâtiment comme celui-ci, qui abrite 40 ordinateurs apprenants et un ordinateur enseignant, un tableau interactif avec projecteur, un routeur et une mini-centrale photovoltaïque dimensionnée pour alimenter les installations. Plusieurs écoles sont concernées. Tous nos 12 départements ont bien évidemment été servis. Et pour ce qui est donc de l'enseignement primaire, nous avons l'école primaire publique de Sikhe Nord, l'école primaire publique de Lebou, l'école primaire publique de Sakabukou-Kiné, l'école primaire publique où nous sommes ici de Gorimaro, l'école primaire publique de Waké Centre, de Natitengou, de Paouya, d'Aplahoué, de Guincomé, de Porto Novo, de Sakété et de Gbeto. Et je voudrais également exhorter les autorités à divers niveaux à œuvrer pour assurer la sécurité de ces équipements, la pérennité de ces équipements, afin de permettre au plus grand nombre d'apprenants de pouvoir en bénéficier. Des écoliers face aux tablettes, cela pourrait paraître amusant pour beaucoup. L'idée est plutôt de renforcer le mode d'enseignement. La présente cérémonie de remise de matériel et équipement informatique permettra aux apprenants de s'approprier l'outil informatique dès le niveau du primaire, ce qui contribuera à l'amélioration de leurs capacités intellectuelles, techniques et du taux de réussite. Le contenu des cours dispensés s'inspire de ce qui s'enseigne déjà à travers les manuels. Les démonstrations qui ont été faites déjà, ce sont des démonstrations qui se retrouvent déjà dans les manuels. L'apprentissage des solides, les solides géométriques, on vient de nous démontrer cela également. Et c'est exactement ce que nous enseignons dans nos manuels que les enfants viennent de mettre en pratique. Le gouvernement ambitionne de généraliser l'usage du numérique dans toutes les écoles primaires publiques du Bénin. Il va garder donc un œil sur les centres pilotes.